Georgie, vous ressemblez tant un peu. Vous trouvez? Oui. Est-ce que vous avez le même caractère aussi? Ah, sûrement pas, sûrement pas. Mais il est certain que, en dessinant Tintin, j'ai dessiné une part de moi-même. La part du... surtout la part héroïque. Hein? J'aurais voulu être un petit héros. Je suis jamais arrivé, bien entendu. Mais enfin, il y a une part de moi qui est dans Tintin. Mais il y a une part de moi aussi dans les autres personnages. Hein? Le professeur Sonneblum, il est distrait. Moi, je le suis très souvent aussi. Il y a les deux Janssens qui sont très... très gaffeurs, ils font des gaffes, ils sont balourds, ils sont lourds. Ça m'arrive aussi de faire des gaffes. Et quant au capitaine Haddock, eh bien, lui, il se met parfois en colère, ce qui m'arrive aussi. Et il aime bien un bon verre de whisky, ce que j'aime bien aussi. Donc il y a une part de tous mes personnages en moi-même. Est-ce que vous aimez mieux le capitaine Haddock que Tintin? À ce moment. En ce moment, il est certain que, au fond, Tintin est un petit personnage qui est un personnage neutre. C'est un personnage qui n'existe pas. Ça n'existe pas un personnage comme ça. Même le visage n'existe pas. C'est une boule. Tandis que le capitaine Haddock, c'est un personnage qui vit, qui a des colères, qui a des défauts, qui a des vices même, puisqu'il boit un peu beaucoup, il boit trop. Moins maintenant, parce que Tintin a eu une bonne influence sur lui. Hein? Bien. Tintin est très réaliste. Les albums sont très réalistes. Il y a beaucoup de détails, beaucoup plus de détails que dans les autres bandes dessinées. C'est oui. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que, pour moi, cette aventure qui se passe, ce Tintin qui évolue dans un univers, pour moi, c'est une chose vraie. Je voudrais qu'on y croit. Je me raconte cette histoire et je voudrais qu'on y croit. Je voudrais y croire moi-même. Et alors, pour qu'on y croit, je fais en sorte que les avions soient des avions, qu'une maison soit une maison, qu'une moto soit une moto, qu'un arbre soit un arbre, pour que les personnages bougent dans un univers, notre univers à nous de tous les jours. Ce n'est pas un univers féerique, c'est un univers, ce n'est pas un univers poétique, c'est un univers de tous les jours, notre monde à nous. Hein? Et par exemple, dans certains albums, comme le dernier album, il y a ici par exemple ce modèle d'avion qui est un jet, à trois réacteurs. Ici, je ne voulais pas employer un avion qui existe déjà, je voulais un avion qui soit propre, qui a été créé par quelqu'un d'autre, le Caredas 160 Jet. Eh bien, les plans de cet avion ont été dessinés ici par un de mes collaborateurs qui a dessiné les plans, donc qui a vraiment dessiné l'écorché de l'avion et qui l'a bâti, qui en a vraiment fait une maquette qui est, voilà, c'est cet avion-là. Avec cette nouvelle chose qui est la géométrie variable, donc avec les ailes qui peuvent, hein, les ailes peuvent se modifier, n'est-ce pas? Ça, c'est la position de vol sur supersonique, et à l'atterrissage, les ailes reviennent plus vers l'avant, s'étendent plus, moins, c'est moins un triangle, c'est donc la géométrie variable. Donc voilà, rien pour un avion. Pour d'autres choses, voilà, il y avait ici, dans le dernier album, le vol 714, il y avait une statue qui bascule. Il a d'abord fallu créer cette statue, et puis, dit basculer, c'est très facile à dire, mais le dessinateur, lui, comment ça se passe-t-il vraiment? Alors on a vraiment fait une maquette de façon qu'on puisse faire basculer la chose et qu'on voit comment est l'intérieur de cette statue quand elle a basculé. Sinon, c'est difficile à imaginer quelle ligne, etc. Hein? Donc il y a pas mal de documentation et parfois, comme pour ceci, eh bien on crée nous-mêmes le modèle qui va nous servir à être dessiné. Hein? La neutralité de la face de Tintin, oui. Quel caractère a-t-il, vous pensez? Est-il un peu moraliste? Un peu... Non, je ne le vois pas moraliste, non. Parce qu'il n'a jamais dit il faut faire ceci. Moi-même, je ne suis pas moraliste, mais
Il est possible qu'il se dégage quelque chose de lui. C'est une morale au deuxième degré, si vous voulez. C'est une morale qui se dégage de son personnage à lui. Mais lui n'est pas du tout ni moralisateur, ni pédagogue. Enfin, je ne désire pas du tout. Il y a parfois des parents qui m'écrivent, vous devriez dire par Tintin qu'il faut bien manger sa soupe le midi. J'ai dit, écoutez, c'est à vous à faire ça. Vous êtes les parents, moi je ne fais rien, moi je raconte des histoires et c'est tout. Hein, je ne suis pas du tout... Le capitaine Haddock n'est pas très éducatif. Mais c'est pas très éducatif, tout le temps. Oui, c'est pas des vraies injures, hein. C'est pas des vrais jurons. Hein. Il emploie des noms qui sont des noms qu'on peut utiliser tous les jours, mais il les emploie avec une espèce de... Moi je les entends avec une sorte de sonorité violente, hein, qui est en fait une injure. Ectoplasme n'est pas une injure, un ectoplasme. Il y a des noirs dans certains albums, oui. Et il y avait la critique sur les caractères des noirs. Oui. C'est vrai que vous avez dessiné les noirs un peu négatifs. Ben, c'est vrai, oui, bien sûr. Je crois que je reflétais ma propre naïveté à l'époque. Il y a Tintin au Congo qui a été fait en 1930. J'ai commencé ça en 1930, je crois. 30 ou 31. Je ne connaissais pas le Congo. Je savais que ça existait, le Congo, bien entendu. Le Congo belge, je parle ex-belge. Je savais que ça existait, je connaissais des gens qui y avaient été. Et leur discours, et ce qu'ils en rapportaient, c'était que les Noirs étaient des naïfs, des paresseux, des voleurs, etc. Et tout, et tout. Hein, c'était les coloniaux à l'époque, c'était vraiment ça. Et moi, je n'en ai gardé que le côté naïf, c'est vrai. Mais ma propre naïveté était reflétée là-dedans, parce que les Noirs sont autre chose aussi, hein. Et je n'ai montré que leur côté naïf, je n'ai pas du tout voulu montrer des Noirs voleurs, ni chapardeurs, ni paresseuses. Je montré quelque chose. Au fond, c'est pas méchant, non, de Tintin au Congo. Et la preuve, c'est que ça a paru tout récemment dans une revue congolaise à Kinshasa, la revue Zahir, qui a publié entièrement Tintin au Congo. Il n'y a pas eu la moindre critique, les Noirs. J'ai eu des échos, ils trouvaient ça très amusant, parce qu'eux-mêmes avaient pris du recul par rapport à ce qu'on disait d'eux, n'est-ce pas? Il y aura un nouveau album de Tintin. Pouvez-vous raconter l'histoire? Oh, c'est difficile de raconter une histoire comme ça. Je raconte très mal, et puis je ne la connais pas encore tout à fait à fond. C'est une histoire qui va se passer, ce que je peux dire, c'est pas pour être secret, vous savez, mais c'est une histoire qui va se passer en Amérique latine, en Amérique du Sud, avec un peu en toile de fond tout ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud, c'est-à-dire les révolutions, la révolution qui s'opère là-bas, la lutte entre le capitalisme d'une part et je dirais les tupamaros, enfin les pauvres, enfin il y aura un peu de tout ça, il y a un peu de Che Guevara, il y a un peu de Régis Debray, il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais l'expliquer, c'est difficile. Il y a le United Fruit, enfin, vous savez, un peu ce genre-là, hein, les républiques de bananes, enfin, c'est un peu tout, c'est un digest de tout ça, et, qui est comme toile de fond avec Tintin qui évolue là-dedans, mais sans vraiment une prise de position politique. C'est une histoire amusante, quoi, c'est tout. Rien de plus. Non, avec simplement... comment dire, donc, sans prendre position même, simplement en évoquant les problèmes qui se passent là-bas. Mais d'une façon très légère, hein, bien entendu, ce n'est pas du tout... Je ne peux pas, Tintin, ça ne peut pas être une histoire lourde et politique et prise de position. Je crois que ça va rester ce que c'est, une histoire distrayante, amusante, avec un arrière-fond de vérité quand même. Vous avez comme décor une ville qui ressemble au Brésilien. Oui, il y a donc dans... Tintin a déjà été en Amérique du Sud, hein, l'oreille cassée, cette œuvre immortelle. Et il a rencontré là-bas le général Alcazar, dont le rival est le général Tapioca. Mais actuellement, dans ce pays, c'est le général Tapioca qui est au pouvoir. Et il a fait bâtir à côté de quartiers absolument misérables, de bidonvilles, il a fait bâtir, la propagande pour la beauté, il a fait bâtir une ville, enfin des grands bâtiments, qui s'appelle Tapioca Police. Hein, donc c'est un peu
si vous voulez, Brasilia. Hein, je pense à Brasilia. Ça ne sera pas du tout Brasilia, n'est-ce pas? Hergé zelf ontwerpt de pagina's van het nieuwe Kuifjeboek. Maar hij heeft medewerkers die zich speciaal bezighouden met het ontwerpen van achtergronden, auto's en vliegtuigen. Vervolgens worden de zwart-wit pagina's gefotocopieerd en met plakkaatverf ingekleurd. En over enkele maanden is het 23e Kuifjeboek gereed. Van de vorige 22 werden er sinds 1930 over de hele wereld zo'n 25 miljoen exemplaren verkocht in 14 talen. Hergé, een pseudoniem voor Georges Rémy, is nu 63 jaar oud, maar hij weet van geen ophouden. Het Kuifje ontstond in 1930, maar is nog steeds actueel. Chose nouveau, le pantalon de Tintin a changé. Ça n'est pas un grand changement, hein. Faut bien changer de pantalon de temps en temps quand même. Alors malgré tout, on s'était habitué à le voir cet an dernier comme une espèce d'image de marque, une marque. Il avait un pantalon de golf, il avait un pullover bleu pâle, bleu, et puis un petit col blanc, et en fait c'était ça son uniforme. Et on a changé pour le film qui est sorti, c'est Le Temple du Soleil, parce que ce film allait pénétrer dans des pays où Tintin n'est pas encore lu ni connu. Alors le faire connaître avec un pantalon de golf qui actuellement ne se porte plus, ou bien qui se reporte, mais ce sont les dames qui le portent, hein, ça aurait été peut-être un peu maladroit. Et on a changé, mais pratiquement, il y a peu de gens qui s'en aperçoivent, je crois, c'est parce que les couleurs restent les mêmes. Et ça ne change pas fondamentalement ce personnage. Hein? Mm-hmm. Hein? Enfin, ce n'est pas une grande révolution, ça. Non, hein. Un album.